Est-ce que vous pensez, vous n'imaginez pas
Donc c'est un problème pour se créer, c'est une sorte de former au sein même des populations existantes, de manière à faire passer le message, parce que c'est dit, vous êtes si préoccupés, vous occupez des milliards, et par moment vous dites, les gens ne veulent pas changer, et comme le sait que vous avez vécu à Europe de la base, ça vous a bousculé. Vous avez pleinement raison. Et nous disons qu'aujourd'hui, parce qu'on a interdit le rassemblement de plus de 20 personnes, et qu'il y a quand même le confinement, même si les gens sortent toujours, il y a quand même le confinement. On se rend compte que les gens passent beaucoup plus de temps maintenant à regarder la télévision qu'à autre chose, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent plus sortir comme avant. Donc cela veut dire qu'à partir de médias, on peut atteindre plus de peuples, plus de gens. Donc cela veut dire que cette émission qui est en train de passer, si elle est visualisée par exemple par 10 000 personnes, 15 000, 20 000 personnes, donc ces 15 000 personnes, même si on arrivait à toucher 10% de ces 15 000 personnes, on va dire 1 500 personnes, on a déjà fait quelque chose. Avec 1 500 personnes, ils peuvent aussi relayer le message pour dire non, il faut prendre cette histoire au sérieux parce que. Donc on comprend que continuer à insister dans les médias, c'est toujours une très bonne chose parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont massées devant leur petit écran pour regarder la télévision, la RTNC par exemple. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure là, que nous sommes en train de travailler pour pouvoir aller travailler avec nos amis, les étudiants, qui sont à peu près plus de 30 000 et qui aujourd'hui sont dans leur travail pour l'université de Kinshasa. Maintenant, si par exemple on va compter les autres universités ainsi supérieures, on en a quand même assez. Maintenant, s'ils sont dans leur famille et qu'ils prennent la responsabilité, mes chers étudiants, vous qui comprenez, vous qui êtes les élites de demain, vous qui comprenez que ce phénomène, il est réel, que Covid-19 frappe le monde, mais vous pouvez commencer à faire ce travail-là, à expliquer à nos grands-mères qui ne comprennent pas, à expliquer à nos grands-parents qui ne comprennent pas, à nos tantes qui ne comprennent pas, que nous devons observer des gestes qui sont des barrières de sécurité pour ne pas être contaminés et pouvoir créer des espaces, on va dire, de sécurité sanitaire. Et ça, c'est très important. Maintenant, si ces étudiants-là, s'ils sont 100 000, s'ils sont 200 000, sur toute l'étendue de notre ville de Kinshasa, par exemple, et qu'ils parlent, chacun parle à 2, 3, 4 personnes, et qu'ils arrivent à convaincre. Donc, vous voyez, ce que ça peut faire avec, donc, tout ce matraquage médiatique que nous sommes en train de faire, et nous pouvons, au final, obtenir auprès de nos concitoyens, qui ne sont pas des animaux, les Congolais ne sont pas des animaux, à un certain moment, le cerveau du Congolais va commencer à fonctionner. Et ils vont prendre conscience que mais finalement, nous perdons quoi en prenant les risques de faire ce que les autorités nous demandent de faire. Et puisque nous y sommes, c'est quoi le message que vous voulez livrer à cette nouvelle population? Nous sommes là pour pouvoir dire à nos compatriotes que Covid-19, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un montage, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est manipulé par les hommes. Nous avons vu beaucoup de pays dans le monde qui sont victimes de cette maladie. Beaucoup de pays. Les États-Unis, on a vu avec le président Trump qui voulait faire un peu la tête dure, mais la réalité est revenue très vite. Et aujourd'hui, New York, une ville qui est beaucoup plus fréquentée, est une ville aujourd'hui déserte parce que les gens sont confinés. Nous devons prendre au sérieux. De la même manière que nous prenons plaisir à prendre au sérieux ce qui vient de l'Europe, hein, comme la mode, comme tout ce qu'ils mangent là-bas par le film qui nous balance, prenez au sérieux que cette maladie qui vient de chez eux, c'est une maladie sérieuse. Donc, et commencez à observer les barrières de sécurité telles que cela nous est annoncé ou nous est montré par la cellule de riposte. Prenons cela au sérieux. Nous allons nous protéger et nous allons protéger aussi ceux-là que nous aimons. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons quelqu'un, mais au même moment, nous nous approchons de lui sans savoir que nous sommes déjà contaminés. Nous pouvons aussi le contaminer. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est aussi faire en sorte que nous nous protégeons pour que ceux qui nous sont chers et qui nous aiment ne puissent pas nous perdre. Donc, nous continuons à dire, c'est vrai parce que nous sommes dans la pauvreté, que nous ne pouvons pas nous prémunir pour que nous ne soyons pas touchés par cette maladie qui est en train de tuer, qui est en train de décimer le monde entier. Donc ça demande quoi?
Ça demande de ne pas nous saluer par les mains. Ça demande quoi? De tousser dans notre cou. Ça demande quoi? De nous laver régulièrement les mains avec du savon. Ça demande quoi? Ça demande de pouvoir mettre le masque, si nous en avons. Et nous pouvons même confectionner le masque donc en tissu. On peut même mettre notre mouchoir pour pouvoir empêcher, nous protéger contre, on va dire, le flux salive de salive qui peut venir de celui qui est en face de nous. Ça nous demande quoi? De rester à une distance de 1 mètre de l'autre, parce que nous ne savons pas s'il est déjà en train de développer la maladie ou pas, s'il peut déjà commencer à contaminer ou pas. Des gestes qui peuvent paraître simples, mais ce sont des gestes efficaces, ce sont des gestes barrières qui nous empêchent de pouvoir être atteints par la maladie et nous empêcher de pouvoir transmettre la maladie à ceux qui nous sont proches et que nous aimons beaucoup. Monsieur Jean-Jacques Kangouda, puisque nous sommes dans le comportement de la mentalité chinoise, on constate pratiquement tous les dimanches des jeunes gens organisés autour de match de football et qui continuent à se lancer régulièrement parce que on se dit, en son dit, le Covid ne touche pas la jeunesse. C'est aussi encore une erreur terrible parce que nous ne savons pas quel est notre niveau, notre capacité d'immunité, même si nous sommes jeunes. C'est ça le problème. C'est ça le plus grand problème. Donc, même si la tranche qui est beaucoup plus touchée, c'est de 60 ans, un peu plus, et les enfants, comme les équipes scientifiques nous le disent, mais la jeunesse doit aussi faire attention. Parce que vous pouvez contracter la maladie en tant que jeune sans que cela ne vous amène à la mort. Mais vous pouvez transmettre cette maladie à votre tante qui est déjà faible, donc physiquement. Donc vous comprenez qu'on peut avoir la maladie, contaminer la maladie, sans que soi-même on en souffre. On nous explique cela. Mais si nous contractons la maladie, parce que nous sommes jeunes, mais nous pouvons et nous contaminons cette maladie, mais parce que nos anticorps sont forts, ils luttent et nous sommes guéris. Mais nous avons fait des dégâts autour de nous. Okay. Donc cela veut dire que nous devons prendre conscience que nous sommes une protection pour nous et nous sommes aussi une protection pour les autres. Bon, en prenant conscience de ce que nous devons, certainement, à quelqu'un, mais avant d'arrêter totalement la marche de cette émission, il y a une question d'actualité. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Camero, a été mis en instance d'arrestation à la suite d'une audition intervenue hier au niveau du tribunal de Matete. Quel commentaire ça vous inspire, vous, en tant qu'un des collaborateurs? Merci beaucoup pour cette question. Je m'en doutais. Déjà, je ne peux pas faire le commentaire sur les décisions de la justice. Je ne peux pas aussi faire un commentaire sur une affaire qui est dans l'instruction, qui est à l'instruction. Donc, je ne peux pas faire un commentaire là-dessus. Donc, nous laissons la justice faire son travail dans toute la liberté. Et nous allons voir tout simplement comment est-ce que ça va se terminer. Mais je veux aussi dire que M. le directeur Camere est toujours jusqu'à présent donc bénéficie, on va dire, de l'innocence. Même si aujourd'hui il se trouve à Makala, comme vous le dites, mais il bénéficie de la présomption de l'innocence. D'ailleurs, j'ai suivi la direction politique nationale de l'UNC par le secrétaire Aï Aimé Oji. Ils ont fait un communiqué très mature, très important, appelant tout le monde au calme. Parce que nous avons lutté pour un état de droit. Et moi, je salue d'abord le comportement du directeur Camere qui a accepté de pouvoir se présenter devant le juge. On a vu dans le passé, ça ne pouvait pas être possible. Donc cela veut dire que quelque part, c'est quelqu'un qui a mené un combat pour instaurer l'état de droit et qui est en train lui-même de montrer l'exemple que ça doit aller dans ce sens-là. Donc pour le reste, nous devons changer de mentalité pour comprendre que ce pays est en train de rentrer dans un changement réel.
Donc demain, je pourrais aussi être interpellé, ou quelqu'un d'autre peut être interpellé, devant comprendre que si lui, à ce niveau, dans sa position, il l'a accepté, il est en train de collaborer, selon ce que vous venez de dire, avec la justice, et il est en train d'attendre. Donc, vous comprenez que donc, tout le monde peut y passer, c'est l'état de droit. Mais pour le reste, je ne veux pas commenter sur l'instruction qui est en cours. Merci Jacques Kaloudia. Je rappelle que vous assumez le vote responsable de la coordination pour le changement de mentalité, une structure qui évolue au niveau de la présidence de la République. Avec vous, nous avons essayé de faire le point sur l'évolution de mentalité qu'on réalise en termes de réception de messages autour de l'existence ou non du Covid-19. Donc, à vous, chers téléspectateurs, nous disons merci pour tout l'intérêt que vous avez voulu apporter à cet espace d'échange. Et nous vous promettons de vous rencontrer dans un tout autre numéro. Bonsoir et au revoir. Tindelanga banjelu, tungolanga.